Bonjour à tous. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour répondre à la requête de notre frère Le Fétiche de Guerre, qui fait un travail de très très haute qualité sur sa chaîne YouTube, qui permet de décrypter, d'analyser, d'approfondir, de comprendre tous les mécanismes racistes, sataniques de ce sociopathe d'Emmanuel Macron, et plus largement de ce système qu'on appelle la France-Afrique, qui perdure, qui continue, mais qui un jour prendra fin. Parce que ces sociopathes comme Emmanuel Macron ne sont pas tout puissants. Emmanuel Macron en fait ne fait que suivre l'esprit diabolique de ses prédécesseurs. J'ai noté ici donc les Vallées de la Pouge, René Martial, Joseph Valmore qui a écrit Les problèmes de la colonisation. Arthur de Gobineau qui a écrit L'inégalité des races. Donc il faut savoir en fait que tout ce système raciste prend les Noirs pour des primitifs, pour eux on est des sous-hommes, on est des même pire que des singes en fait, ils ne considèrent pas du tout. Donc à un moment donné, il faut que nous, la diaspora, on se lève de manière solidaire pour dénoncer tous les agissements de ces sociopathes. Que ce soit Sarkozy, Mitterrand, François Hollande, Macron, les partis politiques, gauche-droite, ce sont les mêmes. Il ne faut même plus aller voter, il ne faut même plus rentrer dans ces systèmes-là, ça ne sert strictement à rien. Comme dit PK, en fait, ils maintiennent cette alternance pour piéger les Africains, en fait. Donc, il est écrit dans le livre « Histoire militaire des colonies, pays de protectorat » et pays sous mandat. Alors, il est écrit le décret du 6 juillet 1887 organisa un corps de tirailleurs gabonais de deux compagnies commandées par un capitaine chef de corps. Formé le 2 septembre 1887, le nouveau corps eut ses deux compagnies stationnées à Libreville, donc au Gabon. Mais une faible partie de leurs effectifs y était seulement conservée, la plupart des hommes étant détachés dans les différents postes. Donc en fait, grosso modo, ce que le texte nous traduit de façon claire, c'était que ils ont pris des Noirs pour aller tirer sur d'autres Noirs, en fait. Et c'est exactement ce que voudrait le système de Macron, en fait, pour l'Afrique. Il suffit de regarder, en fait, le discours d'Emmanuel Macron, enfin, les discours qu'il a fait avec Patrice Talon, avec Paul Biya. Ces gens-là, ce sont la mort incarnée. Ils ne viendront rien apporter à l'Afrique, rien du tout. Ils voudraient que des soldats noirs puissent tirer sur d'autres soldats noirs. Cela, il faut que ça cesse. Si vous êtes dans une armée africaine quelconque et que vous regardez cette vidéo, posez-vous des questions, lisez, cherchez, vous trouverez les réponses. Mais œuvrez pour ces sociopathes qui nous prennent pour des primitifs, ça c'est important de le dire, ils ne nous considèrent pas, ils ne vous considèrent pas. Les tirailleurs de l'époque, le général Mangin disait qu'il faut les sacrifier et qu'ils ne doivent pas passer l'hiver. Donc voilà, en première ligne, les soldats noirs en première ligne, et c'est ce qu'ils veulent encore aujourd'hui en fait. Donc, par exemple, Joseph Valmore, il a écrit Les problèmes de la colonisation, c'était en 1909, et ce même esprit, il a perduré jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais un jour, ça va s'arrêter. Parce que on se réveille, on commence à comprendre les choses, mais la diaspora, elle a un rôle à jouer qui est hyper important. C'est bien de les iPhones, aller à la salle de sport, c'est bien machin truc, mais à un moment donné, il ne faut plus qu'on se cache, il faut qu'on se montre, il faut qu'on assume clairement, parce que les autres ne le feront pas pour nous, en fait. Donc voilà.